pense que n'importe quel parent a peur qu'un jour, son jeune tombe, oui, dans des agirs délinquants, mais aussi à des verbalisations suicidaires, des hésitations suicidaires, de l'automutilation. C'est des problématiques qui restent. C'est important de leur dire que c'est normal. Le passage à l'adolescence est très difficile en partant. L'important, c'est d'y aller directement. Tu veux mourir? Qu'est-ce que c'est mourir pour toi? Où est ton plan? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu te raccroches? On y va dans le très, très clairement. Si tu es une jeune personne avec des hésitations suicidaires, ce que je te dirais, c'est de surtout pas garder ça pour toi. Il y a des gens autour qui sont là, qui connaissent la situation, qui connaissent les méthodes d'intervention efficaces, qui vont être là sans jugement pour écouter tout ce que tu as à dire. Donc, c'est clair que c'est important d'aller chercher de l'aide.